Bienvenue sur le bon numéro d'Empreinte Magazine. Après le Congo central, le Haut Katanga, je vous amène au Haut Willy. Ici, nous sommes à Isiro, chez Anwarite Ningapeti. Je vous amène à cette province dirigée par Christopher Nanga. Avec vous, nous allons voir ce qui est fait sous le plan infrastructurel, social, économique, politique. Mais avant, je voulais suivre l'échange citoyen, qu'a eu l'inspecteur chef de service Jules Alinguete Eke sur le détournement avec les étudiants de l'université de Kinshasa. Et de là, je vous amène chez Cédric Tshizaïnga Kapumba à la BD qui met le cap sur 2023. Après la BD, je vous amène au Fonds national pour l'entretien routier en République démocratique du Congo, dirigé des mains de maître par Georgine Selimani Toulia. Cette fois-ci, on parle du projet Pacte 1 et 2. À travers ce projet, la Banque mondiale va octroyer au gouvernement congolais 1,5 milliard de dollars. Grâce à une gestion saine et transparente de Madame la DGAI du FONER, Georgine Selimani Toulia. Du FONER, je vous amène à la Direction Générale des Impôts, chapeautée par le pasteur Barnabé Mwakati Mwamba. Dans cette institution, les chiffres sont galvanisés chaque mois. Payer l'impôt, vous devriez savoir que payer l'impôt est un devoir civique. De la DGI, je vous amène au Katanga. Vous suivez dans ce reportage le 3 ans de Cheikh Yabula Katoué depuis qu'il est à la tête de cette province, sur tout le plan. Suivez et je reviens juste après.